Anaïs Larocque, bonjour. Première fois au Galerie Socan et par une belle porte d'entrée, compositeur de musique à l'image, révélation. Bravo. Merci. Et j'aurais envie de te demander, en fait, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à aller vers la musique à l'image, la composition pour le cinéma et les documentaires? En fait, j'ai toujours aimé la musique de film. Depuis que je suis toute petite, je retiens les thèmes musicaux. J'adore la musique de film. Puis, ça a été une révélation pour moi aussi parce que d'abord, j'ai étudié pour devenir musicienne. Puis ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à la musique à l'image. Puis j'ai eu l'impression que c'était ma place. Puis voilà, c'est vraiment l'amour de la musique de film qui m'amène ici. Et pour que les gens puissent un peu avoir une idée de ce que tu as fait, donc dans les deux dernières années, si on veut, Il y a des productions qui se sont démarquées. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, c'est sûr. J'ai fait beaucoup de documentaires. J'ai fait un documentaire qui a gagné un prix Gémeaux pour meilleure musique documentaire, La goutte de trop. Et j'ai fait une série aussi. J'ai fait plusieurs films. Voilà. Et ce serait quoi, si tu avais à décrire un peu ta signature ou ta façon de travailler ou comment tu procèdes, toi, quand vient le temps de t'asseoir et de commencer une composition? Bien, je suis inspirée beaucoup par le thème, les discussions que j'ai avec le réal ou la réale. C'est souvent un thème musical qui me vient en tête quand je commence à travailler, puis ensuite j'essaie de trouver des sous-thèmes, puis j'essaie de ramener mon thème, puis je travaille beaucoup avec... tu sais, j'ai mon cellulaire avec moi quand j'ai quelque chose, une idée, je l'enregistre, puis ça commence toujours ici par un thème musical, puis ensuite je joue autour de ça dans mon studio, puis... Puis on arrive à un résultat un moment donné. Et depuis quelques années, on déplorait en fait qu'il n'y avait pas plus de femmes compositrices de musique à l'image. Je pense que c'est arrivé un moment où les gens avaient peut-être envie de faire la place un peu plus. Est-ce que tu as ressenti ça, toi, dans ton évolution depuis le début, là, que tu es arrivé à un bon moment? Je ne sais pas si j'arrive à un bon moment, mais je suis contente qu'il y ait de plus en plus de femmes dans l'industrie de la musique et du son en général. Je pense que ça manquait, puis je pense que les petites filles qui sont à l'école puis qui se font dire tous les grands compositeurs, Chopin, Mozart, Beethoven, ils ont besoin de modèles féminins. Puis je pense que de plus en plus, on arrive tranquillement à ça. Ça ne va pas assez vite, mais on avance dans la bonne direction. Bien, félicitations, profite bien de ta soirée. Merci.